Bonjour et bienvenue au rendez-vous bien-être numéro 12. Aujourd'hui, nous allons confectionner ensemble un baume à lèvres maison et un shampoing solide. Commencez par bien désinfecter votre matériel, le plan de travail ainsi que le récipient dans lequel vous allez mettre votre baume à lèvres. Puis, faire fondre au bain-marie l'huile, le beurre, beurre de karité et cire d'abeille. Une fois que le contenu est complètement fondu, retirez du feu, puis ajoutez la vitamine E ainsi que les huiles essentielles, donc géranium, lavande vraie ou orange douce, etc. Une huile qui vous convient en fonction de votre type de peau. Puis versez le liquide dans votre récipient vide. Laissez refroidir au réfrigérateur 20 minutes et c'est prêt. Dans un bol, mélangez le sodium cocosulfate avec l'huile d'olive, le rassoul, la poudre d'orange amère. Mélangez bien le tout jusqu'à ce que ce soit homogène. Ensuite, ajoutez l'eau et les gouttes d'huile essentielle, d'arbre à thé ou de petits grains. Malaxez la pâte jusqu'à obtenir une pâte homogène, puis laissez refroidir 2 heures au réfrigérateur. Et 24 heures à l'air libre.